Alors, les temps dérobés, c'est un ensemble hybride, à mi-chemin entre le chœur de chambre et l'ensemble de solistes, a cappella, composé de 16 chanteuses et chanteurs, qui défend principalement le répertoire d'aujourd'hui, en miroir avec les époques passées. Le temps dérobé, en italien, c'est rubato, c'est une indication musicale, ça veut dire le temps qui échappe à la mesure. Quand on met rubato, c'est quand l'expression prend le pas sur le déroulement métrique du temps. Ça peut être des instants suspendus, ça peut être des instants accélérés, des époques passées que l'on convoque dans nos temps présents, ou à l'inverse, une façon moderne qu'on peut avoir d'explorer le répertoire passé. La spécificité artistique, c'est ce dialogue qui s'oriente de plus en plus vers la musique d'aujourd'hui. On a à cœur ce lien avec aussi le répertoire précédent, c'est-à-dire de mettre les époques en miroir. Mettre en rapport les époques, ça fluidifie le rapport avec la partition, en fait. Ça fait qu'on a une approche avertie et qu'en même temps, on peut être prompt à la remise en question, à l'interrogation, et qu'on est à l'écart des dogmes. Ça permet aussi d'aborder des thèmes qui sont millénaires et de souligner à quel point ils ont inspiré tant de compositeurs de façon différente. Par ailleurs, ça permet de mettre en valeur les influences des compositeurs d'aujourd'hui. C'est très rare de créer à partir de rien. On s'inspire, on a un passif, on a notre culture, ce dans quoi on a baigné, les livres qu'on a lus, les poèmes. Et c'est ce lien-là qu'on tient toujours à mettre en valeur. En ce moment, on est en train de créer un programme qui s'appelle Soleil Levant et qui regroupe des pièces de compositeurs contemporains. Il s'agit de la relecture de poétesses et de poètes du 19e siècle par des compositrices et des compositeurs français d'aujourd'hui. On a la chance d'être soutenus par la SACEM, également par le mécénat musical de la Caisse des dépôts depuis un an. Ça donne des ailes et ça donne confiance surtout. Donc Soleil Levant normalement devrait voir le jour en automne 2021 avec deux créations au programme, le Romantic Triptych de Philippe Mazet et un poème d'Emily Dickinson mis en musique pour 8 voix et accordéon de Régis Campo. Et ce programme Soleil Levant, j'aimerais beaucoup le diriger vers les bacs à disques. Non, j'espère qu'on pourra enregistrer ce programme, et ça m'intéresse aussi de me dire que chaque pièce de chaque programme peut devenir la germe d'un bouquet. Il peut y avoir plein de possibilités d'enregistrement différentes. On est également en train de travailler sur deux programmes, un diptyque qui s'appelle Du Nocturne et des Ténèbres, basé autour de la nuit, de l'obscurité, mais avec deux approches complètement différentes. L'une qu'on pourrait imaginer comme un programme au bord de l'eau, paisible, et l'autre beaucoup plus sombre, d'où son nom, Les Ténèbres. C'est un ensemble qui est soudé par une assez grande amitié, puisqu'on l'a fondé à plusieurs, enfin je ne l'ai pas fondé seul, et ça fait 3 ans qu'on mûrit ce projet de musique a cappella exigeante et tournée vers la création. Je trouve que Félix est un super chef par son exigence, sa rigueur, mais aussi dans la façon dont il amène cette rigueur, c'est-à-dire en souplesse, toujours avec le sourire, et ça fait vraiment du bien. Je pense que c'est aussi la force des temps dérobés, c'est que tout le monde arrive à se remettre en question parce que Félix sait comment on parle, tout simplement. Il y a ça qui est dans l'air, c'est-à-dire on se connaît et je sens de plus en plus que les consignes que je donne, je peux les donner à mi-mot parce que chacun sait quels sont ses enjeux. Moi, ce qui est singulier chez Félix, c'est Félix. C'est lui, c'est un personnage à part entière. Il impulse tout, la musique, ce qui nous réunit, et humainement aussi. Il arrive à sortir le meilleur de nous.
C'est pas moi le maître du temps. Enfin, si j'étais le maître du temps, ça voudrait dire que je suis une horloge que l'on suit. Enfin, je pense pas qu'on me suive. Je pense que Félix, c'est à lui que le temps échappe le plus. Et c'est ce qui fait toute la beauté de sa direction et de la personne qu'il est.